Annie? Oui. Bonjour, je suis Gabriel, le frère de Lily. Enchanté, Gabriel. Appelez-moi Gab. Ok, Gab. Lily a eu un empêchement? Non, 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 vous inquiétez pas, elle a juste un peu de retard. Ah, oui. Eh bien, asseyez-vous. Merci. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci, c'est gentil. Sans vouloir être trop indiscret, c'est quoi comme rendez-vous? J'ai créé un article sur votre frère, Ezra. Je vois. Vous êtes journaliste? Oui. D'ailleurs, Lily devait m'envoyer des photos et je n'ai toujours rien reçu. Et vous? Moi? Oui, vous devez certainement avoir des choses à dire sur lui. On se ressemblait beaucoup physiquement. À part ça, je le connaissais pas vraiment. Ah bon? Mais sa disparition... Vous savez, la mort fait partie de la vie. Hein. D'une manière ou d'une autre, on va tous y passer un jour. Oui, je comprends, mais... Là, votre frère a quand même été victime d'un attentat. Un attentat. Hein? C'est en quelque sorte un accident de la vie, non? Un truc qui vous tombe dessus alors que vous n'avez rien demandé. Oui, en quelque sorte, oui. Dans ce cas, que dire du chauffard lambda qui prend son véhicule et qui tue des innocents? Enfin... Dans les deux cas, ils ont attenté à la vie d'innocents. Écoutez, dans la vie... Il y a plein de choses incompréhensibles, mais là, cet attentat, il a été perpétré au nom d'une religion. Le journalisme contemporain. Il ne faut pas réfléchir tant que ça fait de l'audimat. Vous préférez peut-être qu'on fasse l'éloge du terrorisme? Ce que nous voyons comme des terroristes sont des héros chez eux. Et ce qu'ils voient comme des terroristes sont des héros chez nous. C'est le chien qui se mord la queue, c'est ça? Ok, et on fait quoi alors? Déjà, mettons les apparences de côté, ressourçons notre esprit, et essayons d'avoir un regard moins restreint sur les choses. Un regard moins restreint. Et vous suggérez quoi? La rédemption. La rédemption? Par rapport à quoi? Même avec un grain de responsabilité, ça peut suffire. Ok, admettons que... Et... On fait comment pour l'atteindre, cette rédemption? Depuis la nuit des temps, les sages ont toujours pu l'atteindre grâce à l'arbre de vie. L'arbre de vie? Oui. Il porte en lui l'harmonie, le respect, la paix, l'amour, la cohésion et la vie éternelle entre les mondes. Une sorte de témoin de Jéhovah ou... Ce n'est pas parce que je partage ce genre de valeurs que je fais forcément partie d'une secte ou d'une organisation. C'était juste une question. Dans l'histoire, des hommes ont dû braver le glaive pour protéger ce genre de valeurs. Et leurs sacrifices ont permis d'apaiser les conflits et de préserver la vie. Même si la mort en est l'aboutissement. Une sorte de révérence, une porte qui s'ouvre vers un autre monde. À vrai dire, moi, j'adore toutes ces histoires de mondes parallèles, fantastiques, les Gollum, les anneaux, les arbres qui parlent... Mais tant que ça reste dans la catégorie science-fiction au cinéma. Pour faire plus court, je suis cartésienne. Donc, je ne crois que ce que je vois. Il y a beaucoup de choses dans l'univers qu'on ne voit pas et ça ne les empêche pas d'exister. Qu'elles soient visibles ou non, toute chose a sa raison d'être. Et vous? C'est quoi votre raison d'être? Je vais vous raconter une petite histoire qui a marqué toute mon existence. Et bien au-delà. Vous avez laissé anéantir nos rêves, nos espoirs, tout ce qui nous rattachait à la vie. Vous ne les avez pas vus déchirer nos familles, tuer nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Pourquoi vous avez tourné le dos à la paix? Pourquoi vous les avez laissés détruire mon âme? Qui est cette femme? Sarah. Sarah. Le fruit de notre indifférence face à la réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Laissez pousser en vous l'arbre de vie. Trouvez les mots qui mèneront vers la sagesse. Annie? C'est Lily. Excusez-moi pour mon retard. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Dites-moi, à part Ezra, vous avez d'autres frères? J'en ai pas d'autres. Et Gabriel ou Gab, ça vous dit quelque chose? Oui. Il se faisait appeler comme ça par ses copains.